Kombolwa Laurent, Kasongo Robert, Sadiki Mangaza et Mandele Moussa Bruno. À la question de savoir si tous ces prévenus sont coupables de prévention de détournement de deniers publics et de faux en écriture. À la majorité de voix des membres de sa composition, la Cour a répondu par oui. À la question de savoir s'il faut leur appliquer une peine complémentaire, à la majorité de voix des membres de sa composition, la Cour a répondu par oui. En conséquence, les condamne tous cinq, sans admission des circonstances atténuantes, à 10 ans de servitude pénale principale chacun. Les destituent tous des effardés. Sur pied de l'article 31, qui dispose que les juridictions militaires pourront prononcer la peine de destitution contre tout officier condamné à plus de 5 ans de servitude pénale principale. Ordonne que le prévenu Landou, Kongola, Kasongo et Sadik restitue une seule somme, la somme de 30 000 francs et 30 000 dollars et 29 000 dollars équivalent en francs congolais, ainsi que les sommes de 180 000 francs et 200 000 francs chacun. Ordonne aussi que le prévenu Sadik restitue la somme de 42 000 dollars détournée par lui seul. Ordonne également que le prévenu Mbandele Bruno restitue la somme de 28 millions de francs congolais sur un montant de 40 millions reçus par lui.